A shoe store is un magasin de chaussures. Chaussure is the general word for any kind of footwear. If you want to refer specifically to walking shoes, you use the word soulier. Un soulier, une chaussure. The first thing you'll be asked in a shoe store is, what size do you take? Quelle est votre pointure? Pointure is used for size of shoes, gloves, or hats. You're sitting, vous êtes assis. You're standing, vous êtes debout. To try on shoes or clothes, essayez. Je vous en prie, monsieur. Asseyez-vous, asseyez-vous. Merci. Voilà, monsieur. C'est beaucoup plus facile d'essayer des chaussures quand vous êtes assis que quand vous êtes debout. Je voulais seulement enlever... Enlever votre soulier pour essayer quelque chose un peu plus à la mode, n'est-ce pas? À la mode? Toutes nos chaussures sont très à la mode, très chic, très élégantes. Ah bon? Quelle est votre pointure? Pointure? Quelle grandeur? Je ne suis pas très grand. Non, je veux dire vos pieds. Quel numéro? Quel numéro? 2. Vous êtes sûr? C'est très petit, ça. Je suis sûr. Regardez. 1, 2. Donnez-moi votre pied. Oh, oh! C'est pour moi? C'est pour monsieur. Oh, que c'est beau! Oh! Oh! Un magasin de chaussures, a shoe shop. Assis, sitting. Debout, standing. Essayez, to try on. Quelle est votre pointure? What size do you take? Do you want leather shoes or suede shoes? Vous voulez des souliers de cuir ou des souliers de daim? Black or brown? Noir ou brun? The masculine for these and those is ceux-ci et ceux-là. The feminine, celle-ci et celle-là. An ankle boot or half boot, une bottine. A high boot or calf-length boot, une botte. A heel, either of a foot or a shoe or a boot, un talon. High heels, les talons hauts. C'est un très beau soulier, mais il est un peu lourd. Ce n'est pas un soulier, monsieur, c'est pour mesurer votre pied. Ah. Bon, 9. 9 quoi? Vous chaussez du 9. Quelle sorte de chaussures voulez-vous? Je veux seulement... Des souliers de cuir ou des souliers de daim? Non, je ne veux pas... Des souliers noirs ou des souliers bruns? Hein? Ceci ou cela? Décidez-vous, monsieur. Tous nos souliers sont très chics, très à la mode, très élégants. Mais je ne veux pas de souliers. Oh, je comprends. Vous voulez des bottines? Non, je ne veux pas de bottines non plus. Ah, des bottes, alors? Des bottes? Oh, elles sont jolies. Lesquelles? Celles-ci ou celles-là? Celles-là. Vous aimez les talons hauts? C'est très à la mode, les talons hauts. Essayez-les, monsieur. Là, très chic, très à la mode. Voilà. Marchez, monsieur, marchez. Les souliers de cuir, leather shoes. Les souliers de daim, suede shoes. Ceux-ci, these. Ceux-là, those. Masculine. Celles-ci, these. Celles-là, those. Feminine. Une bottine, a half boot. Une botte, a high boot. Les talons hauts, high heels. These heels are too high for you. Ces talons sont trop hauts pour vous. You'll fall all the time. Vous allez tomber tout le temps. Too narrow, trop étroit. Too wide, trop large. Stand up, mettez-vous debout. The boots are just right, literally perfect. Elles sont parfaites. A sandal, une sandale. A slipper, une pantoufle. A running shoe, une chaussure de course. Non, non, monsieur, ces talons sont trop, beaucoup trop pour vous. Mais ces bottes sont si jolies. Elles ne sont pas pour vous, celles-là. Vous allez tomber tout le temps. Oh. Essayez quand même les bottines. Les bottines? C'est très chic, les bottines. Voilà. Ce n'est pas trop étroit. Mettez-vous debout pour voir. Non, ce n'est pas trop étroit. Ce n'est pas trop large, hein?
Mettez-vous debout, monsieur. Non, ce n'est pas trop large. C'est parfait, parfait, parfait. C'est parfait. Bon. Alors, vous allez les acheter. Non, je ne veux pas acheter de bottines. Vous n'allez pas acheter les bottines? Mais... Des sandales, peut-être? Non, pas des sandales. Des pantoufles? Non, pas des pantoufles. Des chaussures de course? Non, pas des chaussures de course. Mais si vous ne voulez pas acheter de chaussures, pourquoi êtes-vous entré dans mon magasin pour enlever votre soulier? Pauvre monsieur le vendeur, c'est à cause du caillou. Ça fait mal aux pieds. Trop étroit, too narrow. Trop large, too wide. Mettez-vous debout, stand up. Une pantoufle, a slipper. Now, here's the complete sketch again. Je vous en prie, monsieur, asseyez-vous, asseyez-vous. Merci. Voilà, monsieur. C'est beaucoup plus facile d'essayer des chaussures quand vous êtes assis que quand vous êtes debout. Je voulais seulement enlever... Enlever votre soulier pour essayer quelque chose un peu plus à la mode, n'est-ce pas? À la mode? Toutes nos chaussures sont très à la mode, très chic, très élégantes. Ah bon? Quelle est votre pointure? Pointure? Quelle grandeur? Je ne suis pas très grand. Non, je veux dire vos pieds. Quel numéro? Quel numéro? 2. Vous êtes sûr? C'est très petit, ça. Je suis sûr. Regardez. 1, 2. Donnez-moi votre pied. Oh, oh! C'est pour moi? C'est pour monsieur. Oh! Oh, que c'est beau! Oh! 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 C'est un très beau soulier. Mais il est un peu lourd. Ce n'est pas un soulier, monsieur. C'est pour mesurer votre pied. Ah. Bon, 9. 9 quoi? Vous chaussez du 9. Quelle sorte de chaussures voulez-vous? Je veux seulement... Des souliers de cuir ou des souliers de daim? Non, je ne veux pas... Des souliers noirs ou des souliers bruns? Ceci ou cela? Décidez-vous, monsieur. Tous nos souliers sont très chics, très à la mode, très élégants. Mais je ne veux pas de souliers. Oh, je comprends. Vous voulez des bottines? Non, je ne veux pas de bottines non plus. Ah, des bottes alors? Des bottes? Oh, elles sont jolies. Lesquelles? Celles-ci ou celles-là? Celles-là. Vous aimez les talons hauts? C'est très à la mode, les talons hauts. Essayez-les, monsieur. Là, très chic, très à la mode. Voilà. Marchez, monsieur, marchez. Oh non, monsieur, ces talons sont trop, beaucoup trop pour vous. Mais ces bottes sont si jolies. Elles ne sont pas pour vous, celles-là. Vous allez tomber tout le temps. Oh. Essayez quand même les bottines. Les bottines? C'est très chic, les bottines. Voilà. Ce n'est pas trop étroit. Mettez-vous debout pour voir. Non, ce n'est pas trop étroit. Ce n'est pas trop large, hein? Mettez-vous debout, monsieur. Non, ce n'est pas trop large. C'est parfait, parfait, parfait. C'est parfait. Bon. Alors, vous allez les acheter. Non, je ne veux pas acheter de bottines. Vous n'allez pas acheter les bottines? Mais... Des sandales, peut-être? Non, pas des sandales. Des pantoufles? Non, pas des pantoufles. Des chaussures de course. Non, pas de chaussures de course. Mais si vous ne voulez pas acheter de chaussures, pourquoi êtes-vous entré dans mon magasin pour enlever votre soulier? Pauvre monsieur le vendeur, c'est à cause du caillou. Ça fait mal aux pieds. The library, la bibliothèque. The librarian, la bibliothécaire. In some libraries, you can get not only a book, un livre, but a magazine, une revue, and a newspaper, un journal.
Look in the first row of books. La première rangée. Or second row. La deuxième rangée. On the top shelf. Sur le rayon du haut. A small stepladder. Un escabeau. A butterfly. Un papillon. Mais madame, je cherche... Silence! Je cherche... Vous cherchez un livre? Non, je ne cherche pas de livre. Vous cherchez une revue? Non, je ne cherche pas de revue. Vous cherchez un journal? Non, je ne cherche pas de journal. Alors, qu'est-ce que vous cherchez? Je cherche les papillons. Ah! Vous cherchez un livre sur les papillons? Il y a un livre sur les papillons? Il y a beaucoup de livres sur les papillons ici, monsieur. C'est une grande bibliothèque. Il y a beaucoup de livres sur les papillons, pauvre petit papillon. Où ça, madame? Où? Deuxième rangée, rayon du haut. Il n'y a pas de papillons ici? Ça, c'est la première rangée. J'ai dit la deuxième rangée. Où sont les papillons? Sur le rayon du haut. Le rayon du haut est trop haut. Prenez l'escabeau! Ah, l'escabeau. Un papillon, a butterfly. La deuxième rangée, the second row. Le rayon du haut, the top shelf. Un escabeau, a stepladder. To climb the stepladder, monter sur l'escabeau. The word for noise is le bruit. To make a noise, faire du bruit. To disturb, déranger. A reader, un lecteur. One mustn't disturb the other readers. Il ne faut pas déranger les autres lecteurs. An interesting book, un livre intéressant. Take it. Prenez-le. Chut! Silence! Silence! Pas comme ça! Il faut monter sur l'escabeau. Ah, monter sur l'escabeau. Chut, silence. Madame, pourquoi vous dites toujours silence? Parce qu'il ne faut pas faire de bruit. Et pourquoi ne faut-il pas faire de bruit? Parce qu'il ne faut pas déranger les autres lecteurs. Ah, il ne faut pas déranger les autres lecteurs. Voici un livre intéressant si vous aimez les papillons. Oh! Il y a des papillons dans ce livre-ci? Oh oui, il y a beaucoup de papillons dans ce livre-là, monsieur. Madame? Oui, qu'est-ce qu'il y a? Il n'y a pas de papillons dans ce livre. Mais qu'est-ce que vous voulez dire, il n'y a pas de papillons? Regardez, monsieur! Oh! Ce sont des papillons, n'est-ce pas? Ouh, que c'est joli, ça! Je peux le prendre? Oh, oui, bien sûr. Prenez-le! Faire du bruit, to make a noise. Déranger, to disturb. Les autres lecteurs, the other readers. Prenez-le, take it. A page is une page. One mustn't tear the pages. Il ne faut pas déchirer les pages. To lend a book, prêter un livre. To borrow a book, emprunter un livre. Lend me another book. Prêtez-moi un autre livre. You have the right to... Vous avez le droit. For example, vous avez le droit d'emprunter 5 livres. You have the right to borrow 5 books. But you need a library or a reader's card. Une carte de lecteur. Non, non! Il ne faut pas déchirer les pages! Chut! Il ne faut pas déranger les autres lecteurs. Il ne faut pas déchirer les pages! Vous m'avez dit de prendre le livre, pas la page. Alors, vous allez prendre votre livre maintenant? Vous allez me le donner? Prêtez, monsieur. Dans une bibliothèque, on ne donne pas de livres. On prête des livres. Oh! Prêtez-moi un autre livre. Vous voulez emprunter un autre livre? Oui, je veux emprunter un autre livre. D'accord. Voici, monsieur. Prêtez-moi encore un autre livre. Encore un livre? Oui. Merci. Encore un. Merci. Encore un. Merci. Encore un. Écoutez, monsieur, vous avez le droit d'emprunter 5 livres seulement. 1, 2, 3, 4, 5. Bon, ça suffit. Avez-vous une carte de lecteur? Lecteur? Oui, une carte de lecteur. Je ne suis pas un lecteur. Vous allez lire ces livres, n'est-ce pas? Mais non, je ne vais pas les lire.
Je vais seulement monter sur les livres pour prendre les papillons. Quoi? Ils sont jolis, hein? Déchirer, to tear. Prêter, to lend. Emprunter, to borrow. Vous avez le droit de. You have the right to. Now, here's the complete sketch again. Mais madame, je cherche... Silence! Je cherche... Vous cherchez un livre? Non, je ne cherche pas de livre. Vous cherchez une revue? Non, je ne cherche pas de revue. Vous cherchez un journal? Non, je ne cherche pas de journal. Alors, qu'est-ce que vous cherchez? Je cherche les papillons. Ah! Vous cherchez un livre sur les papillons? Il y a un livre sur les papillons? Il y a beaucoup de livres sur les papillons ici, monsieur. C'est une grande bibliothèque. Il y a beaucoup de livres sur les papillons, pauvre petit papillon. Où ça, madame? Où? Deuxième rangée, rayon du haut. Il n'y a pas de papillon ici? Ça, c'est la première rangée. J'ai dit la deuxième rangée. Où sont les papillons? Sur le rayon du haut. Le rayon du haut est trop haut. Prenez l'escabeau! Ah, l'escabeau. Chut! Silence! Silence! Pas comme ça! Il faut monter sur l'escabeau! Ah, monter sur l'escabeau! Chut! Silence! Madame, pourquoi vous dites toujours silence? Parce qu'il ne faut pas faire de bruit. Et pourquoi ne faut-il pas faire de bruit? Parce qu'il ne faut pas déranger les autres lecteurs. Ah, il ne faut pas déranger les autres lecteurs. Voici un livre intéressant, si vous aimez les papillons. Oh! Il y a des papillons dans ce livre-ci? Oh, oui, il y a beaucoup de papillons dans ce livre-là, monsieur. Madame? Oui, qu'est-ce qu'il y a? Il n'y a pas de papillons dans ce livre. Mais qu'est-ce que vous voulez dire, il n'y a pas de papillons? Regardez, monsieur! Oh! Ce sont des papillons, n'est-ce pas? Oh, que c'est joli, ça! Je peux le prendre? Oh, oui, bien sûr! Prenez-le! Ah! Non, non! Il ne faut pas déchirer les pages! Chut, il ne faut pas déranger les autres lecteurs! Il ne faut pas déchirer les pages! Vous m'avez dit de prendre... De prendre le livre, pas la page! Alors, vous allez prendre votre livre maintenant? Vous allez me le donner? Prêtez, monsieur. Dans une bibliothèque, on ne donne pas de livres. On prête des livres. Oh! Prêtez-moi un autre livre. Vous voulez emprunter un autre livre? Oui, je veux emprunter un autre livre. D'accord. Voici, monsieur. Prêtez-moi encore un autre livre. Encore un livre? Oui. Merci. Encore un. Merci. Encore un. Merci. Encore un. Écoutez, monsieur, vous avez le droit d'emprunter 5 livres seulement. 1, 2, 3, 4, 5. Bon, ça suffit. Avez-vous une carte de lecteur? Lecteur? Oui, une carte de lecteur. Je ne suis pas un lecteur. Vous allez lire ces livres, n'est-ce pas? Mais non, je ne vais pas les lire. Je vais seulement monter sur les livres pour prendre les papillons. Quoi? Sont jolis, hein?